Après presque un an sans nouvelles, nous voilà enfin de retour pour un nouveau voyage à moto. Et pour notre troisième aventure, nous avons décidé de faire une grande boucle au centre de la France. Pour ça, nous allons emprunter, comme l'an dernier, le TET, mais cette fois par les traces 2, 4, 26 et 7. Enfin, ça, c'était sur le papier, car tout ne va pas se passer comme prévu. On démarre le voyage un dimanche. On se rejoint avec Adrien à La Souterraine vers 10h pour faire le plein des motos et aussi acheter de quoi manger pour la journée. On ne traîne pas et on part en direction des pistes car on ne connaît pas la difficulté du voyage qui nous attend. Oh putain! Ça y est! Oh putain! La première. Oh. Ah, ça y est, je suis trempé moi. Elle est belle, hein? Eh, bah heureusement que j'ai les bottes. Bah... Elle est magnifique! Je m'en doutais! Je m'en doutais! Stop. On repart et puis on trouve un coin, on va s'arrêter bouffer. Il est midi, je pense. Un coin sympa quoi. Je crois que c'était vraiment à la même. Après avoir longé une voie ferrée pendant un bon moment, nous prenons une petite pause à midi pour avaler un sandwich et nous reposer sur les pistes. Tout juste 40 km d'effectués, mais on se rend compte que ce ne sera pas tout repos. Surtout pour Adrien qui nous a déjà gratifié de quelques belles chutes. Et vous allez voir, c'est loin d'être terminé.
samedi à droite là. Ouais. Tu m'as fait une faciale là. Aujourd'hui. Boum pas. Allez. Le porte-bagage, par contre, il a mangé. Le bagage, wow, le bagage, il a mangé chaud là. Je l'ai calé sur un bout de bois, ouais, bécane. Allez. Comme un bourrin. Oh, culé. J'ai ripé. Plafonner loin. En fait, tu vois ce que j'ai fait? C'est. Faut pas faire. Faut vraiment passer au milieu là. Pendant ce temps, je vais essayer de me sortir de là, moi. Ah, j'y étais presque. Ah, putain, j'y étais. Allez. C'est le plus dur, c'était de repartir, en fait. C'est bon, je suis reparti. C'est pour finir. Moi je suis pas tout le temps là. Mais attends, t'as besoin de petit calé là. C'est la troisième ou la quatrième? J'ai arrêté de compter. Ouais. On a même pas fait 50 vents. Sinon on va tout droit et on la remonte là, mais j'ai peur. Nous y sommes. Cette portion du TET 2 va nous coûter cher en temps, et même en argent pour Adrien. Un peu de boue, de belles pierres et surtout un joli dénivelé. Un ramasseur de champignons local nous souhaitera même bonne chance en nous racontant qu'il passait par là en moto. Mais lui, avec son enduro. C'est bon, on va la faire comme ça maintenant. Ça va ton dos? C'est mieux. Bah t'es chaud de toute façon donc. Qu'est-ce que j'ai peur? Oh l'enculé. Qu'est-ce que j'ai pu branler là moi? J'ai peur pour ta jambe quand même. Non non ça va. Quatre en même pas 4 chars. Bah, voilà, bon. Ouais si, c'est du 14h30. Prendre la vitesse. Je vais essayer de te la monter pour ce coup-là. I know that we have never.
Bah moi je fais ça et pas. Ah le bâtard. Après si ça va. Tout doucement ça passe. Ah bah je viens de plier mon calepied. Ah putain. Ah ouais, c'est... Ah putain, il est baisé. Ah putain, qu'est-ce que ça fait. Aïe. Ça va, ça va. Tiens. Ça y est, elle pisse l'essence. Ah ouais, ah t'es tombé. Attends, attends. Mais Ah ouais. Ah, je peux pas rouler correctement quoi. T'as fait comment là? En fait. Non. Tu sais quand tu recules comme une merde là, ouais. Au lieu de caler, bah j'ai reculé là-dedans. Ouais. Je suis fichu. Ça rigole moi là. Moi c'est les nerfs qui ont rigolé. C'est ma première en plus. Hein. Je suis défoncé, j'en ai pas le. Ah puis moi j'ai plus de calpier quoi. Hop 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 hop, là, il faut que je vous explique. On a passé 2 heures dans cette portion maudite. C'était un peu trop tôt pour nous, la remise en jambe a été difficile. En plus de ça, il a fallu que l'embrayage d'Adrien nous lâche en plein milieu de ce bordel, sans prévenir. Bien sûr, la tête dans le guidon, on réfléchit pas trop. On n'a qu'une seule envie, c'est sortir de ce merdier. On part repérer le chemin le plus court vers un sentier acceptable. Petite rando au calme et on revient déter avec un seul objectif, remorquer une Transalp avec une autre Transalp. Autant dire que ça risque d'être du sport. Ouais. Vas-y, continue. C'est le moment de l'état des lieux. Nous sommes dimanche et il est environ 17h. On est paumé aux alentours de Saint-Léger-la-Montagne. Bien sûr, on n'a pas emporté d'embrayage de rechange. Les magasins de moto n'ouvrent pas avant mardi, donc on est coincé pour minimum 2 nuits. On cherche pas plus loin et on check les campings dispo aux alentours pour ne pas passer 2 nuits dans les bois et avoir un peu de confort et le temps de s'organiser. Finalement, on trouve un camping à Bonnac-la-Côte, soit environ 30 km de notre position. On repart en tandem, mais cette fois sur la route pour rallier le camping. Attention. Oh. Ah. Oh. Attends, ça va. Hein. Vas-y, vas-y. C'est un peu doucement. Vas-y, arrêtez, là. On arrivera finalement au camping sans encombre. On s'installe et on discute de toutes les possibilités qui s'offrent à nous.
on prend le pari d'attendre mardi pour contacter les magasins de motos et essayer de trouver des disques d'embrayage. Maintenant, il va falloir être patient. Lundi. Vu le temps que nous avons à tuer, nous partons faire un tour sur Limoges. On visite sa cathédrale, puis on mange une pizza. L'après-midi, direction Oradour-sur-Glane pour visiter le village martyr et son musée. On rentrera après avoir fait quelques courses. On essaie alors de faire rouler la moto d'Adrien en relâchant au maximum son câble d'embrayage. Ça fonctionne un peu, mais pas de miracle avant la nuit. Ça y est, nous sommes mardi. On sort les téléphones pour appeler les concessions moto de Limoges, mais rien. Personne ne peut nous commander des disques et les avoir rapidement. On élargit alors la zone de recherche et finalement, Adrien tombe sur un gars très sympa à la concession Honda de Poitiers. Il peut commander les disques et les avoir demain en fin de matinée. On cherche donc un camping pas très loin de Poitiers et on prend la route le plus vite possible, direction Lusignan, à 130 km de là. Lentement mais sûrement que nous roulons vers le camping. Adrien ne peut pas rouler beaucoup plus vite que 50 km/h sur le plat et dans les bosses, il recule. Un petit coup de pouce est nécessaire dans ces moments-là, ou plutôt un petit coup de pied. On prend un maximum de petites routes et on finit par arriver au camping de Vorichon à Lusignan vers 16h. Le camping est vraiment agréable et propre, et en plus, pas cher. On aurait préféré être là depuis dimanche. On discutera avec Jean-Marc, un motard chevronné et super sympa, qui nous a même proposé son aide. On espère que tu verras cette vidéo et encore merci à toi. Après quelques courses, on profitera du plan d'eau du camping et de son bar pour boire quelques verres. On discute du nouvel itinéraire, terminer la grande boucle du centre. Si tout se passe bien, il nous reste 3 journées complètes de moto. On décide donc de prendre le TET 27 vers le sud, puis nous verrons demain pour la suite. Mercredi, on ne traîne pas pour arriver sur Poitiers vers 9h. On pose la moto d'Adrien dans un endroit tranquille pour son opération. On va chercher de l'huile, puis une douille de 27 chez Casto, et enfin les disques chez Honda. Maintenant, c'est à nous de jouer. Hein ? Ça va pas être mal ça. Alors. Par contre, ouais, va falloir faire gaffe avec l'huile. Vidange, dépose du sabot, du collecteur d'échappement, puis du carter d'embrayage. On arrive à l'écrou de 27 et là, ça coince. Après plusieurs essais, on commence à l'abîmer. Notre douille n'est pas bien adaptée et on galère à bloquer le moteur, même en 5e et en freinant. Par chance, un garage moto pas très loin accepte de nous prêter une clé à choc. Ça nous sauve sur ce coup, un grand merci à 100% moto. C'est quoi ce que t'as dans la main mon petit? Voilà.
C'est le petit 100% moto là-bas qui nous a bien sauvé la vie. De ouf. Parce que là, on était en train de le baiser, l'écrou. Ah ouais. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit chez nous. L'avoir quoi, mais c'est pas un peu. On part sans juste quoi. Un petit coup de ponçage sur les disques lisses et on remonte le tout. On termine avec de l'huile neuve, puis Adrien fait le premier test. Ça roule nickel et on est paré pour reprendre la route. On fait place nette et on va manger chez McDo, puis direction le TET pour finir la journée en beauté. On va réussir à faire quelque chose, hein. Là. On a l'air de tenir. C'est bon, ça passe. Ah là, c'est sec. Et on va à gauche. Il n'y a personne qui peut y aller. Et là, il faut aller à droite. Ça va être l'air d'être ça. Je pense que ça passe en bon. Ça va le faire. Là. Là, c'est, je pense exactement à ça. Donc il va me le dire. Il y a un putain de... Ouais. On avance bien sur cette belle portion du TET 27. D'ailleurs, on a croisé Olivier, son traceur, qui nous avait proposé son aide pendant notre session mécanique. Merci à toi. Ça fait du bien de rouler par cette chaleur et surtout après 3 jours de galère. Faut se louper, hein. Enchaîne derrière parce que c'est chaud. C'est joli en tout cas. Moi j'arrive pas, je peux pas être dessus en fait. Par contre, j'y étais presque. Putain, j'y arrive pas. Je peux pas mettre dedans. J'ai pas la place là-bas. Il
faut se remettre dans le bain. Avec notre niveau, des ornières profondes peuvent vite devenir une vraie galère. On finira la journée en allant chercher de quoi manger, puis au gré de la trace, nous trouverons un petit camping municipal à Sommières-du-Clain. Camping privatisé avec une petite rivière. On passe une super soirée et on aura même la chance de voir de magnifiques étoiles filantes avant de partir se coucher. On espère que cela nous portera chance pour la suite après des débuts difficiles. Par contre, s'il y a un camping, on peut aller voir. Parce que je t'avoue qu'une petite douche là, je suis dans un état, mon gars. Ouais. Ouais, et puis les grilles elles sont ouvertes. Hein. Bah y'a personne mon gars. Jeudi. On se réveille tranquille et on prend notre petit déjeuner. Puis, quand on commence à remballer les tentes, on se retrouve sous une grosse averse. Juste le temps de mettre nos affaires à l'abri dans un bâtiment à proximité avant que tout le matos ne soit trempé. Comme nous n'avons plus d'objectif précis, hormis nous faire plaisir, on attend sagement quelques minutes avant de repartir pour ne pas commencer la journée sous la flotte. Ouais voilà, c'est celle-là que je voulais pas faire. On profite à fond de cette belle journée. La trace est vraiment sympa, avec juste ce qu'il faut de difficulté pour nous. On s'arrêtera manger un sandwich au bord de la Vienne que nous longeons un bon moment. On aurait même voulu s'y baigner avec cette chaleur. Pour le moment, l'objectif qui est de se faire plaisir est bien rempli, et ça continue. Ouais mais je vais le faire là. Là mon gars, avec la caméra. On verra en 360 degrés que je suis une chiotte.
là en fait t'as pas trop le choix. Parce qu'en plus avec les rainures. Attends, bouge pas. Ça va. Eh, heureusement que tu es encore là pour te dire. Bon bah mon arrière il est parti mon copain. Dans le gras là. Ouais. Bah un peu moins de poids. Parce que ça t'emmène. Hein. Regarde, il y a une moto qui est garée là-bas. Ah ouais, t'es tombé là. Attends, j'arrive. Ça va ? La fille ? Ah, la fille. C'est tombé dessus ou ? Bon, c'est à mon tour de manquer de chance. Alors qu'on roulait tranquillement dans une petite montée sans difficulté, je chute sans comprendre pourquoi. Et du coup, sans avoir le temps d'anticiper. Une grosse branche s'est en fait bloquée dans mon sabot, puis s'est fichée dans le sol. Résultat, je suis stoppé net avec la moto qui me retombe sur la cheville droite. Adrien comprend directement dans l'intercom que ce n'est pas une chute habituelle et que quelque chose ne va pas. Je prendrai quelques minutes avant de resserrer ma botte et de me relever pour ensuite sortir de cette portion et rejoindre la route. On se pose longuement et on réfléchit aux différentes options en ce milieu d'après-midi. Je suis encore capable de rouler, mais pas de freiner, et bien sûr en ayant mal. On choisit de trouver un camping, au moins pour ce soir, et de voir comment ça évolue dans la nuit. Ah la fille. Elle est dessus. Putain, j'ai pas compris là. Hein. Je sais pas si c'est ça. La roue avant elle s'est soulevée, enfin la moto elle s'est soulevée et j'ai été éjecté. Tu vois les morceaux toi. Encore. Attends, je vais essayer de la lever.
l'hiver dedans. Et quand tu vois la taille qu'il fait, et là la... le nom qu'il y a. Après une soirée malgré tout sympa pour fêter l'anniversaire d'Adrien, au réveil, ma cheville est une vraie patate. Impossible de remettre ma botte ou de rouler correctement debout. C'est donc la fin du voyage pour nous, avec au final 80 km de piste dans les jambes pour cette année. Forcément un peu déçu, mais beaucoup de bons souvenirs au compteur, et surtout l'envie de prendre notre revanche l'an prochain. Je laisse le mot de la fin à Adrien, et vous dis à bientôt pour un nouveau voyage à moto. Chale. La même année prochaine, mais en mieux. Quoi. Ouais, c'est ça. Au niveau de la moto. Au niveau de tout, hein. Ouais, et de la chute. Ouais, entre bien. Ouais, ça marche. Fais gaffe, hein.